Plus d'une centaine de dirigeants du secteur énergétique sont venus de partout au Canada pour livrer à Justin Trudeau un message simple. Le monde fait face à une crise énergétique et le Canada veut venir en aide. Dans une lettre ouverte au gouvernement Trudeau, ces dirigeants de l'énergie ont transmis leur message. En pleine hausse des prix, combinée à un manque d'approvisionnement, les Européens sont sur le point de geler dans la noirceur cet hiver. Le chancelier allemand est même venu récemment nous supplier pour notre gaz naturel. Et le message adressé au Canada s'applique également aux Québécois. Le prix du gaz dépasse les records et avec l'hiver qui approche, nous pourrions voir les prix pour l'énergie grimper encore davantage. Mais au-delà de tout ceci, le Québec est en train de rater une opportunité. L'énergie québécoise pourrait aider le monde en ce moment et nous pourrions enrichir les Québécois dans le processus. Mais nous n'utilisons nos ressources ni pour nous-mêmes ni pour le monde. L'énergie québécoise est propre, éthique et peut aider le monde à faire la transition afin de ne plus avoir besoin de l'énergie venant de dictatures. Nous pourrions aider nos alliés européens en ces temps de grands besoins. Tel que décrit par ses dirigeants du secteur énergétique, le Canada possède de grandes ressources de gaz naturel et aurait un énorme avantage à le vendre à nos alliés européens. Nous pourrions recevoir de l'argent et de l'investissement de partout dans le monde pour rendre les Québécois plus riches. Nous avons seulement besoin que les libéraux de Trudeau et la CAQ de Legault arrêtent de nous bloquer le passage. Nous avons besoin que les libéraux de Trudeau cessent de punir les producteurs d'énergie canadienne avec le fardeau des taxes sur le carbone et toute la réglementation. Nous avons besoin d'un investissement dans les infrastructures énergétiques qui nous permettra d'alimenter le Canada ainsi que des pays de partout dans le monde. Le plus tôt nous l'obtiendrons, le mieux ce sera. C'est pour cette raison que les dirigeants du secteur énergétique canadien disent être prêts et disposés à aider. Les citoyens doivent confronter les libéraux de Trudeau et leur faire comprendre que le Québec doit produire de l'énergie. Le monde entier, incluant le Québec, en dépend.